Brigitte Macron, panique à l'Élysée, quelqu'un cherche à lui nuire. Le cabinet de Brigitte Macron vient de porter plainte pour usurpation d'identité, comme le rapporte RTL sur son site internet ce vendredi matin. De faux emails ont été envoyés un peu partout dans le monde pour réclamer des privilèges pour des proches de Brigitte Macron. L'adresse cabinet@presidence.fr, presque identique au mail de la présidence de la République, inquiète l'Élysée aujourd'hui. Un hôtel marocain a reçu une demande pour aller chercher à l'aéroport le neveu de Brigitte Macron. La Fédération australienne d'automobile, elle, s'est vue réclamer deux places pour le Grand Prix de Formule 1 d'Australie. Des restaurants 5 étoiles à Paris ont été sollicités pour réserver, bien sûr, leur meilleure table, écrivent nos confrères. Le cabinet de l'épouse du président de la République a décidé, toujours selon RTL, de porter plainte pour usurpation d'identité. Malgré cela, ce jeudi, Brigitte était bel et bien aux côtés du président de la République afin de saluer la mémoire du colonel Arnaud Beltrame, qui a succombé, dans la nuit du 23 au 24 mars, à ses blessures, suite à l'attaque terroriste du supermarché à Trèbes, Aude. Anne-Sophie Gilo